mais armés. Mais armés, mais qui ne doivent pas s'en servir. Mmh. Ouais. Non, voilà. c'est... Un commerçant n'a pas le droit de s'en servir aussi. Hein. Exact. Quand vous regardez. Exact. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'avoir des armes? Non, c'est... Je sais pas. Vous savez, un voleur, vous poursuivez. Il braque à une bijouterie. Vous le poursuivez derrière. Tant qu'il ne tire pas, la police est en voiture derrière. Tant qu'il ne tire pas, les policiers ne peuvent pas tirer dans le dos. Donc, la gendarmerie pouvait le faire. La gendarmerie pouvait le faire à un moment donné. Maintenant, c'est fini. Hein. Oui, mais avant, quand il n'était pas sous ministère de l'Intérieur, il pouvait le faire parce que c'était l'armée. Oui, maintenant, c'est l'armée. Mais maintenant, c'est fini. Donc, les voleurs, ils le savent déjà. Alors, ils ont des voitures plus puissantes. Eux, les policiers ont des dessous. Donc, ils accélèrent. Et les policiers voient la voiture partir. Ils n'ont pas le droit de tirer. Si jamais ils baissent, ils sont attaqués. Ah ouais, je suis bien. Et donc moi, si demain je suis un gangster, je prends une voiture puissante, je vous demande dans ma voiture, j'accélère, je sais que les flics sont derrière moi, ils me suivent, moi j'ai une bonne voiture, ils peuvent pas tirer, moi je leur fais des doigts d'honneur tant que je veux, parce qu'ils ont pas le droit de tirer. Donc si jamais le voleur tire sur la police, sur la voiture, ils ont le droit de tirer. Mais il y en a un mort déjà d'un côté déjà. Ouais, déjà, ouais, exact. Et s'ils sont pas cons, dans ce cas, ils tirent sur le chauffeur, comme ça, il y a des cadres dans la voiture, ils sont morts. Bah c'est comme celui qui a tué la policière municipale, oui, voilà. D'un